Mission, une tanière pour Brigitte. École sur un toit. Hey, quelqu'un t'a fait du mal ? Mon fils, je lui ai consacré toute ma vie. Et mes plus belles années. Comment me rend-il l'appareil ? En faisant de la vie un enfer. Dans ma propre maison, je ne pouvais plus le supporter. Je suis donc partie. Où est-ce que tu vas aller ? J'ai entendu parler d'un conteneur abandonné, à proximité. Il appartenait au pacificateur. Mais il est vide maintenant. Enfin, il était vide. Quand je suis allée le voir, les infectés étaient partout. Et si je me débarrassais des infectés pour toi ? Tu ferais ça ? Je te paierai. Bien sûr. Où est-ce que je peux te trouver après ? Je vais aller à la cantine. N'importe quel endroit est mieux que mon trou d'enfer et mon fils démoniaque. Comment un fils peut faire une chose pareille à sa mère ? Je suis à la merci d'inconnus. Tu sais ce qui me manque le plus du monde d'avant l'épidémie ? C'est ici, oula. C'est un petit plaisir. Qu'il d'autres lances. Quelle déception, il y en avait qu'une. Hein. Générateur. Le conteneur est sûr. Joignez Brigitte. Sympa de jouer cette partie là, oh. Y a beaucoup d'emmerdeurs. J'étais là-haut. Viens à la maison. Je m'inquiète tellement pour toi. L'égaré que tu as recueilli est toujours là. Merci de pas parler de ma future femme comme ça. Elle s'appelle Sylvia. Tu la connais depuis une semaine. Et c'est déjà ta femme? Qu'est-ce que tu sais d'elle? Je l'aime. Plus que ta propre mère? J'ai dû être une horrible mère. Tu vois? Ce gentil jeune homme m'a promis de me trouver un conteneur où je vivrai mes derniers jours, seule. Mais maman ! Tais-toi ! Comment ça s'est passé, mon héros ? Tu peux t'y installer ? Voici ton paiement bien mérité. J'aurais pu le laisser à mon fils, mais il ne mérite rien. S'il te plaît, fais-lui entendre raison, parce que j'en ai plus la force. Les enfants doivent suivre leur propre chemin un jour, une mère passe avant tout. Une mère passe avant tout. Tu sais pas de quoi tu parles. Mais il a raison.
qui t'aime le plus au monde et qui prendra toujours soin de toi. Ok. Je vais faire les bagages de Sylvia et lui demander de partir. Enfin, il était temps que tu réagisses. Merci. Je n'ai aucune idée de ce que j'aurais fait si tu ne m'avais pas aidé. Ça a pas l'air d'être une crapule.